Je m'appelle Alpha Sy, je suis administrateur au Club des investisseurs sénégalais et je suis aujourd'hui ici à cette session multisectorielle organisée par Atidjari Wafa Bank avec la CBAO et les crédits du Sénégal en tant que représentant du Club des investisseurs sénégalais. Okay. Quelles sont les attentes du Club des investisseurs sénégalais par rapport à cette zone? Alors, nos attentes, d'abord nous sommes très contents d'avoir pu être associés à ces journées parce que nous représentons un secteur important de l'économie sénégalaise et aujourd'hui le thème qui est évoqué pour ces journées qui sont les perspectives du pétrole et du gaz nous concerne parce que en tant que secteur privé sénégalais aujourd'hui évidemment on a notre vision sur ce qui se passe dans le secteur du pétrole et du gaz qui est un secteur prometteur pour notre pays et donc nous espérons pouvoir apporter notre contribution en tant qu'acteur, parce que moi personnellement je suis dans le secteur du pétrole et du gaz, mais aussi écouter les autres acteurs là-dedans, et puis puisqu'on a affaire à des financiers aussi, voir dans quelle mesure Atidjari Wafa, CBAO et Crédit du Sénégal peuvent accompagner les entreprises privées sénégalaises qui travaillent dans le pétrole et le gaz. Bon, dans le domaine de l'investissement, beaucoup en est le club des investisseurs. Alors, le club des investisseurs dans le domaine des investissements, d'abord, individuellement, chacun d'entre nous possède un portefeuille d'investissement. Comme vous le savez, hein, on a des champions dans ce secteur-là. Moi, personnellement, aujourd'hui, par exemple, j'ai plusieurs investissements dans le secteur dont on parle aujourd'hui, le pétrole et le gaz. Et puis, d'une manière aussi collégiale, nous nous sommes organisés. On a aujourd'hui un groupe qui s'appelle CIS Invest. Et on vient de monter, je vous le livre en primeur, CIS Agro, pour prendre des participations importantes dans les projets agricoles au Sénégal, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on parle de souveraineté alimentaire et pour ça on a monté ce. Présentez-vous. Bonjour, je suis Sanadrissi Alami, je suis la responsable des activités de Trade Finance, Financial Institution et correspondance bancaire au niveau de Tijali Wafa Bank Group. Le choix du thème, il est, je dirais, quasi naturel. Aujourd'hui, le choix de l'investissement est incontournable. Et quand on pense au Sénégal, le domaine du oil and gas est, je dirais, une réflexion qui est partagée par l'ensemble. Et pas uniquement au niveau du Sénégal, mais au niveau du continent. Donc, nous sommes présents justement pour essayer d'illuminer un peu ce sujet-là, de pouvoir donner le maximum d'informations, mais surtout pour enclencher chez les opérateurs de l'intérêt par rapport à un secteur et puis inviter les officiels pour pouvoir donner un temps et se prononcer sur les étapes, les avancements et surtout les challenges qui attendent un peu tout le monde, tous les opérateurs pour participer à cet événement, je dirais, global. Oil and gas, c'est de l'énergie, c'est de la sécurité énergétique, pas uniquement pour le Sénégal, mais pour le continent. Justement, durant ces deux dernières années, en termes d'investissement infrastructurel, pour avoir des chiffres, des statistiques que Atidjari a investi au Sénégal en termes de chiffres. Je ne peux pas vous donner ça maintenant. Est-ce que, en fait, vous allez faire des. Vous allez gérer la. Parce que oui. Allez-y, bon, dis-nous un peu quand même l'objectif de ces jeux en compte de votre institut à vous classer ici au niveau cycle. L'objectif de cette rencontre, ça rentre dans un cycle de missions multisectorielles qui sont organisées par le Club Afrique Développement, qui est, je dirais, un produit unique au niveau des banques panafricaines. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe Tijali Wafa Bank est reconnu par cette dynamique-là, qui crée une plateforme d'échange sud-sud. Nous avons organisé plusieurs éditions, au Sénégal y compris, et aujourd'hui nous avons la capacité de réunir des opérateurs qui viennent de différents pays. Donc nous sortons à peine
d'un des éléments phares du Club Afrique Développement, qui est le Forum international Afrique Développement, qui a eu lieu en juin dernier à Casablanca, où nous avons accueilli plus de 2200 participants. Et nous avons reçu aussi une très forte délégation du Sénégal, avec aussi bien les représentants institutionnels que privés, pour les mettre en contact avec, je dirais, d'autres opérateurs d'une quarantaine de pays. Voilà. Donc le Club Afrique Développement, c'est vraiment un produit unique qui distingue le groupe Tijel et Wafabank, et présent ici au Sénégal à travers la signature CBAO et la signature Crédit du Sénégal, qui était présent ce matin à l'ouverture, aussi bien avec leurs clients qu'avec les opérateurs aujourd'hui qui cherchent de l'accompagnement bancaire et financier, mais aussi un accompagnement non financier. À travers la signature CBAO et la signature Crédit du Sénégal, qui étaient présents ce matin à l'ouverture, aussi bien avec leurs clients qu'avec les opérateurs aujourd'hui qui cherchent de l'accompagnement bancaire et financier, mais aussi un accompagnement non financier. L'essentiel, c'est que tous ensemble, on soit conscient des potentiels et des perspectives qui s'offrent à nous, et qu'en tant intervenant, je dirais, moteur et dynamique, une banque aujourd'hui est incontournable, je dirais, dans un projet d'investissement, parce qu'on a besoin de pouvoir accompagner les opérateurs, un peu compléter et les soutenir dans les différentes formes d'investissement qu'ils veulent faire, que ce soit à petite ou à grande échelle, ou même à l'échelle continentale. Merci. Créer du sens et contribuer à construire nos sociétés et à offrir un avenir pour notre jeunesse. Cette mission multisectorielle a également eu pour thème, pour sa conférence, la partie de la conférence, le thème des opportunités d'investissement dans le secteur des hydrocarbures et du gaz, qui est un secteur porteur et prometteur, mais pas que, tous les enjeux d'infrastructure qui sont liés à ce secteur. C'est une conférence de premier ordre qui a été portée par des intervenants de premier plan et qui a permis de donner accès aux entreprises sénégalaises, mais aussi aux autres entreprises africaines intéressés par le secteur, des informations de première main. Puis ensuite, il y a les rendez-vous d'affaires qui sont très importants, qui sont organisés, accompagnés par les forces commerciales des différentes banques du groupe Tijari Wafabank, mais ici en particulier la CBAO et du Crédit du Sénégal, pour faire en sorte que ces entreprises aillent trouver leurs opportunités, leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs exportateurs, leurs importateurs, développer des circuits de distribution et aussi, surtout, au-delà de la rencontre d'affaires, trouver des solutions concrètes par l'accompagnement des forces commerciales sur comment concrétiser ces opportunités, ces deals, ces investissements communs, etc. Puis il y a aussi une troisième dimension qui est très très appréciée des entreprises, c'est la visite terrain, notamment la visite de la zone franche économique de Dias, qui permet aux différentes entreprises de, comme on dit, sentir le terrain et se projeter concrètement sur un investissement ou n'importe quelle opération de trade ou de distribution. Parce que les entreprises ont besoin de se sentir en confiance, et pour se sentir en confiance, elles ont besoin de se projeter. Donc, la visite terrain aussi contribue à partager la réalité de ce pays vibrant et qui est en évolution évidente. J'ai eu l'honneur d'y être il y a quelques années et j'ai vu l'évolution notamment de la ville nouvelle de Diagnado et de la zone franche, et c'est franchement impressionnant. Et ces visites terrain donnent l'opportunité aux entreprises justement de voir un peu où va le Sénégal et à quel rythme il progresse. Le nombre exact de participants ? Pardon ? Le nombre exact de participants ? Nous avons reçu 200 participants, entreprises donc du Sénégal et des pays que nous avons cités. L'Égypte, le Gabon, la Mauritanie, le Mali, le Maroc. J'ai oublié un pays, je m'en excuse. La Mauritanie. Alors, oui. Alors, on parle aussi de la ZLECAF. Quelle est la contribution du Club Africain de développement dans l'opérationnalisation de la ZLECAF? Merci de poser cette question qui est très importante pour nous tous et pour toutes nos communautés. Nous avons tenu il y a 2 semaines le 7e Forum international Afrique Développement à Casablanca au Maroc, qui a réuni plus de 2200 décideurs économiques et politiques de 30 pays
du continent et des pays partenaires. Et nous avons eu notamment une très forte délégation conduite par son Excellence Monsieur le Secrétaire Général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Et à cette occasion, le groupe Atijari Wafa Bank, par la voix de son président Monsieur Mohamed Ktiani, a signé un important accord de coopération avec le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a pour but de contribuer à opérationnaliser ou faire connaître les opportunités qu'offre aujourd'hui le régime de l'ASLECAF en mettant au service de ce projet le réseau des 15 banques du groupe Atijari Wafa Bank sur le continent, à travers notamment, comme ce qu'on a eu aujourd'hui également, des sessions de partage d'informations, parce que le premier enjeu, c'est d'abord d'édifier l'entreprise sur ce qui existe et ce que permet d'offrir cette zone qui est encore une fois en cours de mise en œuvre. Elle est déjà en cours de mise en œuvre. Il y a déjà des décisions, des législations qui sont prises au niveau de pas mal de nos pays et qui ont pour objectif de libérer le potentiel immense que recèle cette zone, notamment dans certains secteurs prioritaires, notamment je pense à l'agro-industrie, à l'automobile, aux énergies, à l'industrie pharmaceutique notamment. Donc notre objectif à travers cet accord, c'est de continuer à faire rencontrer les entreprises, partager l'information de première main et encore une fois trouver des solutions sur le terrain pour opérationnaliser et faire bénéficier ces entreprises le régime de l'ASLECAF.